Le match est commencé. Bon match, mesdames et messieurs, sur TV.LNH. Éric Bourque avec la vitesse. Bonne mise en échec de Gabriel Labbé sur Bourque. Contourne son gardien. Oh, quel contact entre Danick Malouin et Marc-Éric Bourque. Sur le premier sur l'échec avant. Mise en échec par derrière d'Olivier Caouette sur Michael Pellerin. On sera chassé du côté des éperviers. Jacob Jacques qui s'en prend à Olivier Caouette. Est-ce qu'on va lâcher les gants? Non, on décide de simplement l'employer. Caouette qui était prêt à répondre de ses actes. Il va réussir à prendre le disque et passe vers Lacroix. Faire attention, il est en surnombre du côté du coup. Lacroix, Chagnon à Lacroix. Quel jeu de passe! Mais on avait bien lu le tout du côté de Philippe Desrosiers. On dévie dans la zone du coup du côté des éperviers. Girard le tentait de prendre le 10. Ses éperviers sont premiers. Le but! Un but marqué par Émile Milliard. Et on avait une sortie hasardeuse un petit peu plus tôt là, en première période du côté de Raphaël Girard. Et en fin de semaine dernière, le premier match. Et une bonne mise en échec de Milliard sur Verret. Cloutier, j'entends, est hors jeu. Et Cloutier qui vient bas. Ça va quand même créer un escarmouche, tout ça. Chagnon là, qui empoigne Julien Ball. D'être très appliqué défensivement. Là, cette fois, Gauthier, on en avait assez de voir Breton tenter de. Cette saison, on. Quand même une moyenne de points par match depuis le début de la saison. Et le but! Anthony Verret qui reprend la rondelle qui était laissée libre à côté de Philippe Desrosiers qui marque. Donc, Caouette derrière le filet remet à Durocher un tir là, du Rocher. Ça a touché la barre transversale. Ça a touché la barre transversale. Ayotte, en pleine vitesse, rentre en zone du coup. Belle feinte de Mathieu Ayotte. Il tente un tir. Quel jeu de Mathieu Ayotte. Il va d'un tir, ça se rend jusqu'au gardien. Et on n'a pas réussi à prendre le retour. On sera chassé du côté du coup. C'est Breton qui a fait trébucher Gauthier. Les éperviers s'en vont aller en avantage numérique. Belle feinte de Bilodeau. Bilodeau, il va d'un tir, ça rate. Le filet, Wicked vers Ayotte. Ayotte, la passe. Et Ayotte qui va lancer. Est-ce que ça s'en va dans le filet? Ça a touché l'extérieur du filet. Ça a failli être l'hécatombe ici à Sorel-Tracy. Wow! Cudon et Tremblay. La garde. Applique les freins à Tremblay. Il y a de l'espace. Tremblay va dans un tir. L'arrêt de Desrosiers. La rondelle qui est libre. Desrosiers qui réussit à l'apercevoir. Le jeu qui se poursuit. Dégage. Passe de Pellerin avec la main, mais c'est repris par Kennel. Kennel, il y a de l'espace, passe à Boudreau. Boudreau va un tir. Quel arrêt de la mitaine de Raphaël Girard face à. Dans le fond de la zone, du coup, l'FM en échec avant, ce sera Olivier Ing. C'est bonne mise en échec sur Alan Caron. On va écouler les dernières secondes. Bataille près de la bande. Kennel à Baudouin. Baudouin devant le filet. Quel arrêt de Girard. La rondelle qui s'en allait tout doucement. Il n'y avait plus d'options. Donc Tremblay qui s'amène seul. Confusion du côté du épervier. Tremblay, la fin. Quel arrêt de Philippe Desrosiers. Du bloqueur du côté de Desrosiers. Tremblay encore une fois avec un l'espace. Va d'un tir coup sur coup. Reprend son propre retour. Desrosiers qui fait l'arrêt avec 11,7 secondes à faire à la prolongation. On a pris notre décision du côté de Guillaume Beaudoin. On s'en va encore une fois entre les deux équipes en tir de barrage. On s'exécute. La garde s'amène avec un petit peu d'angle. Revient là, vers le gardien, un tir, l'arrêt de la jambière devant le gardien. Il va d'une feinte, belle feinte. Quel arrêt de la mitaine de Raphaël Girard. On a bien lu la feinte et on laisse un tir frappé de toutes ses forces là, devant le gardien. Hudon s'amène, feinte de tir frappé. On tente de entre les jambières et Philippe Desrosiers, je pense, n'était pas certain, mais on réussit à faire l'arrêt tout de même. Devant le gardien, il va d'une feinte. Il rate un peu son tir. Oh, ce marqueur du coup, l'FM qui s'amène. On prend notre temps du côté de Tifu. On y va lentement. On tente la fin, tente de revenir et on a un petit peu perdu le disque également du côté. C'est la chance de Paquin Boudreau. Paquin Boudreau avec la vitesse. Ça mène devant le gardien. Une feinte du revers. On avait bien pensé. Ça mène du côté de Verret. On feinte le tir. Quel beau but d'Anthony Verret. Feinte de tir pour aller vers un tir vif. Donc, Olivier, ce qui s'amène. Permettre aux éperviers là, de pouvoir espérer gagner le match encore. Et bel arrêt de Raphaël Girard qui, encore une fois, vient permettre à son équipe de battre les éperviers en tir de barrage pour la troisième fois cette saison déjà.